la solution pour toutes vos attentes. C'est une émission que j'encourage. J'encourage parce que ça élève effectivement le débat et que ça enlève aussi le doute dans ce qui doit se passer chez nous. Donc je me dis que c'est le premier politicien. Bien, c'est le premier politicien. C'est le premier grand politicien. Nous voulons avoir des frères qui seront là pour défendre les intérêts de notre Église. Homme de Dieu, la politique dans le monde du 21e siècle, c'est fait pour les intérêts personnels. L'Église est au centre de la gestion politique. Tout ça, la propagande, la personne qui a été en train de se faire. Que nous soyons politiciens, que nous soyons chrétiens ou quelles que soient les tendances religieuses, on a été d'abord créé par Dieu. Donc ça signifie qu'un homme de Dieu peut faire la politique. Dieu permet à un homme de Dieu de faire la politique, mais de faire de la bonne politique en connivence avec lui-même Dieu, que je considère moi comme le premier politicien. Na lubila ki yango banda kala. Na pesa kabenu nzila mutu na mutu akote na parti politique oyi lingiye. Moi je suis déjà où je respecte le peuple, c'est-à-dire la loi de la majorité. Okay. Homme de Dieu, la politique dans le monde du 21e siècle c'est fait pour les intérêts personnels. Pourquoi pas avoir un candidat des églises élevées dans chaque commune? Et pourquoi pas avoir un gouvernement avec la majorité et avoir un gouverneur qui dirigera la ville de Kinshasa issu de l'église réveille. C'est possible. C'est fait pour les intérêts personnels. Je prends Dieu, pour moi, je le considère comme le premier politicien. Sokotoye a watoye na kulte nzambe. Ezalite sokotoye pembeni tubandu kutongana tubandu kuluba makambo matari parti na bisu. L'intérêt personnel, ça veut dire l'intérêt de notre parti. Tout est possible à celui qui croit. Nous en avons assez des humiliations que nous subissons lorsque nous sollicitons les audiences. Nous en avons assez des humiliations que nous subissons lorsque nous avons besoin des interventions. Que des églises cassées, des baffles emportées, des pasteurs emprisonnés, des pasteurs battus, on en a assez. Alors par sagesse, avec ce gouvernement, je vais vous donner un exemple typique. L'évangéliste qui s'amène à Kibira. Il a une église plus de 20 000. On dit qu'il a fait 400 voix. Sokotoye a watoye na culte nzambe. Ezalite sokotoye pembeni tubandu kutongana tubandu kuluba makambo matari parti na bisu. Ce que je vous recommande est le fruit d'une longue réflexion avec le Saint-Esprit.
Un homme a dit, l'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Que Dieu nous pardonne les erreurs du passé, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous en pardonner. Le rôle de l'Église dans la politique. Yeah. L'Église a un rôle de changer, d'aider la politique de chez nous, d'avancer, si notre gouvernement... Est-ce que l'Église peut aider le gouvernement congolais, surtout en ces temps où il y a un désordre politique, il y a une crise politique. L'Église congolaise est très forte. S'ils étaient unis, ils devaient diriger ce gouvernement. Ok. Parce que nous, les hommes de Dieu, nous-mêmes, on est divisés. Qu'on soit chrétien, qu'on soit politicien, on a été tous créés par Dieu. Okay. Moi, je suis déjà où je respecte le peuple, c'est-à-dire la loi de la majorité. Okay. Mais dans notre pays, il y a une loi qui est la loi de la minorité. C'est cette loi qui est en train de mettre la confusion dans les églises. On cherche à tribaliser les églises en les divisant. Qui apporte cette division-là, ce n'est pas les hommes politiques. Parce que vous, les hommes politiques, vous dirigez Maramounio, vous avez pasteur, vous avez apôtre, vous avez archibishop, vous avez évêque. Pas nous. Évêque. Pas nous. Non, vous, tu es politicien. Vous êtes les hommes politiques. Non, il y a deux catégories de politiciens. Okay. Il y a les politiciens qui respectent le peuple, il y a les politiciens qui ne respectent pas le peuple. C'est parce que l'Église est divisée. Si l'Église n'était pas divisée, les hommes politiques ne devraient pas contrôler l'Église. L'Église est divisée. Deux, on a des faux, soi-disant, de Dieu dans le corps du Christ qui prend l'argent aux intérêts personnels. Ce n'est pas l'Église qui est divisée. Ce sont... Vous ne reconnaissez pas que l'Église est divisée. Vous ne reconnaissez pas parce que... Un petit pic, je ne te coupe pas la parole. Un pays comme le Congo, c'est un pays chrétien. La majorité des gens sont des chrétiens. Qui veulent des kimbangouistes, catholiques, charismatiques, tous les autres là. C'est la majorité de la population. Okay. Alors tu peux me dire que si cette majorité avait, ils étaient unis contre nos soi-disant politiciens, ils devaient nous contrôler. Jamais. Nous voulons avoir des frères qui seront là pour défendre les intérêts de notre Église. Dieu peut t'honorer quand tu l'honores. Alors ne sacrifiez pas un pays, ne sacrifiez pas toute une nation à cause d'argent. Toi, un appelé de Dieu, quand Dieu t'a appelé, il t'a déjà équipé. C'est une mission que j'encourage, parce que ça élève effectivement le débat et que ça enlève aussi les doutes. On sait qui doit se passer. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout dans le monde, en Afrique, aux États-Unis, en Australie, partout ailleurs, vous qui avez eu l'occasion de pouvoir suivre cette émission, Les Sons de la Trompette. Nous sommes dans une nouvelle édition, nouvelle saison. Et nous vous remercions pour vos critiques, vos suggestions, après avoir suivi la saison 1, qui est la saison qui a apporté beaucoup d'édification. Et nous avons reçu vos réactions et nous vous remercions. Les lots sont dans la nouvelle édition d'Abisso. Tant que ce qui est bien, c'est très très capital. Pour les sujets, on a invité à vous aussi. Alors, merci à la maison IM Image pour vous soutenir, pour produire l'émission. Merci à l'Abisso caméraman, papa René Otchoudi, pour Simi Bilili. Mais avant tout, on a fait l'émission d'Abisso, la nouvelle édition, nouvelle saison. Tolinga Kosenga na réalisation a balancé Bissot quelque chose pour vous permettre Bissot Toto Molankolo, le maître des temps des circonstances, inspirateur et émission Oyo, créateur P. Ebandeli P. Souka et émission Oyo. Merci. Et nous allons revenir après ça. Imen image, Imen image, graphique design produit. Distribution, la solution pour toutes vos attentes. Imen image, Imen image, graphique design production, distribution, la solution pour toutes vos attentes.
moninga ya bomoi na ngai Yesu bisolo ya la vie na ngai kolongolanga na mokili yaya na bolingo na yo obundelanga bitumba molili oyo eleki makasi na ngai kolobelanga pe makambo oyo eleki mayele na ngai Zela nangele kaki molili Yesu nazomona teo Ongengi selanga na mwinda Mwinda na yo ya bomoi Banguna bazela kabayo kanga inyawe Po babeta peke lelo Soki otikinga na kokwe yae Otikinga na kozinga ya ya Yesu Sikala tinga mayo Yesu Moninga ya bomo inanga Sikala belela kombo Eleki bakombo nyoso na mokili Sikala milela lela Nabuki mabolongo nanga na se Na belela kombo ya bomo Kombo na Yesu Natinga 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 mayo Sikala tinga mayo Yesu Moninga ya bomo inanga Natinga mazambe nanga Sikala belela kombo eleki Sikana milela lela ya ya Nabuki mabolongo na ngana se Nabelela na niye Nabelela kombo ya bombo Ya Yesue Kombo na Yesue Kala na ye, obatela kanga na bomoi Koleka moto nyoswa wana se Seyo Yesu, moningo yonati kala na ye Obatela kanga na bomoi Koleka moto nyoswa wana se Nabengi yo moninga, ona pasi yo komande konangai Likambo yonga moto na yo kisoni Zambo kiti polo belangai Otiki kembwa papa oe na mokili pona kokangolangai Kobangi makasi ya munguna te obanga solo ya masumute Opesi nga bomoi, bomo na yo hei Olesi nga mbuma ya bolingo, yango na tingama yo Yesu Na mokili ya zateo, na mokili ya zateo Moninga boye na mokili ya zate Yango na tingama yo Yesu Sikala tingama yo Yesu Moninga ya Na tingama zambe nanga Sikala belela kombo Elela Kiba kombo nyoso na mokili Sikala milela lela Sikala milela lela Na buki mabolongo nanga Na belela nanie Na belela kombo ya bombo Ya Yesu Kombo na Yesu Na tingama 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 Sikala tingama yo Yesu e moninga ya bomoi Sikala belela kombo nyoso na mokili Sikala milela lela Sikala milela lela na buki mabolongo nanga Na belela nanie Na belela kombo ya bomoi Ya Yesu e Kombo na Yesu Na pasi yo komandeko Na bozangi yo kopesa ngai Na bokono yo Jova Rafa obikisi nala de mokile le mai Na tingama yo Yesu Na tingama yo Na bele la kombo yele kiba kombo nyoso awa na mokili Esika na milela lela Kolo Yesu na milela lela ngai Na buki mabolongo na se O na bele la kombo abomo Kumi sama, kolo Yesu Kumi sama, zambe nangai Kumi sama, mokeli na lola na mabele Kumi sama, kolo Yesu Na bengi yo papa, na bengi yo mama Kumi sama, okoma yaya na ba
na mungisa mwesue Esika ya kolela tokumisi yaya Tone toli na mite Koye mize wabo moipo na yo Mungisa mwesue Chipanda wako shinga mene masi ya wali Esika toko mako talela Tokutani na bapasi na bisengo na bisue pana yo Oni mali wako na ngai Oni mami nyoko pona ngai Matane pulusu yawe Okuteli nga yongo ya masu Yo Yesu, yo Yesu Umisama Yo Yesu Umisama Yo Yesu Umisama Yesu Yo Yesu Yo Yesu Yo Yesu Yo Yesu Yo Yesu